Cet expert français de la structure Technisem, spécialisé dans la production des semences potagères, rend visite au groupement maraîcher de la Basse-Guinée. À Koya et Kindia, il vient faire l'état des lieux pour pouvoir apporter son expertise à l'amélioration des rendements. J'ai vu des cultures, bon, aujourd'hui elles sont, je dirais, correctes. Mais hier, j'ai vu des cultures vraiment très, très mauvaises. Il n'y a pas de suivi technique des semences, il n'y a pas de contrôle. Ce qui fait que les gars, ils sont très volontaires, ils sont courageux. Les gens qu'on a vus hier, ils ont du mérite, mais ils obtiennent des résultats vraiment très mauvais, on peut dire. J'ai entendu parler de rendement en tomates de 8 tonnes hectare, alors que normalement, si on se débrouille bien avec les terres qu'ils ont ici, avec des bonnes semences, on peut vraiment atteindre des rendements de 25 à 30 tonnes hectare. On a des variétés qui sont adaptées aux conditions locales de culture, de chaleur, d'humidité et les maladies. La démarche vise à qualifier les techniques de production des produits potagers. Une démarche saluée par les groupements maraîchers. Je suis très contente. Notre groupement, nous sommes très heureuses. Nos semences ne sont pas bonnes. Nous avons eu quelqu'un qui va nous aider à avoir des semences. Nous sommes très contentes. La Fédération des producteurs de la maraîchers de la Basse-Guinée a une contrainte majeure en matière d'acquisition de bonnes semences maraîchères. Vous savez, il est dit par les chercheurs, par nos techniciens, que si tu as une bonne semence, tu as la chance d'avoir 40% de bon rendement. C'est pourquoi, depuis quelques mois, on est en train de courir derrière Tidiane Agriculture pour mettre un axe de collaboration entre son entreprise et l'Union des maraîchers de Kindia. Ça va être une collaboration expérimentale qui sera multipliée à travers la région, pourquoi pas à travers tout le pays. Le partenariat entre Technisem et l'entreprise Tidiane Agriculture ETA s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement qui vise à assurer l'autosuffisance alimentaire dans le pays.